Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 19 sur Medieval. Dans la dernière vidéo, nous avions fait le niveau appelé les cavernes de cristal. On avait affronté un dragon. On avait utilisé une des deux pierres dragon qu'on avait récoltées hein, depuis le début de l'aventure. On en avait deux. Maintenant, on n'en a plus qu'une, si je ne dis pas de bêtises. On a récupéré du coup le calice du niveau. On a également récupéré un artefact donné par le dragon quand on l'avait vaincu, qui nous permet de nous protéger, je crois, de souvenir du feu. Et on peut également cracher du feu avec. Donc ça, c'est assez sympathique. Et on a récolté, je pense, le dernier artefact, entre guillemets, du hall des héros, puisque nous avons eu un gantelet qui fait apparaître de la foudre, même si je suis pas spécialement fan de... à première vue de ce pouvoir, on va dire. Alors, le canyon de potence, c'est le prochain niveau. Bienvenue au canyon de potence, luxueux centre de villégiature pour les criminels capturés. Parmi les attractions, on retiendra le toboggan des empaleurs, le serpent maléfique et l'incontournable pentance balançoire. Ok. Revoyons, épée magique. On a arc enflammé, arc magique, la lance. Voilà, donc excellent pour se faire un réseau foudre. Ok, on a ceci. Ah non, on a plus de... Alors attendez. Ah non, on a plus de... de pierre dragon. Ah bah je pensais qu'il nous en restait un. Bon. Très très bien. Mais écoutez, on va se mettre l'armure de dragon en premier parce que... bah parce que j'ai envie de tester, tout simplement. Et puis on va rester comme ça. Ah d'accord, ouais, c'est comme ça. D'accord, c'est touche là pour... Ah oui. Ah, ça a quand même une portée sympathique. Par contre, on peut... Ah bah si, j'allais dire, par contre, on peut pas se protéger. Ah oui, ouais, d'accord. Donc on peut pas se protéger en même temps du truc. Ok. Prends bien garde à ne pas réveiller le serpent de Galomère. Cette créature surnaturelle qui repose quelque part dans ce dédale est d'une force redoutable. Si jamais tu croises sa route, fuis et vite. D'accord, donc on a un... Ah bah d'accord, il y a une fontaine ici. Wow! C'est quoi ces momies là? Déjà on peut pas monter dessus. Ok.
légendaire armure du dragon fut forgée il y a bien longtemps par d'authentiques dragons. Pour acquérir cette armure puissante, tu devras débusquer les derniers survivants de cette majestueuse espèce. Bah, l'armure du dragon, c'est pas ça, justement? Bah si. Ah, donc, il nous fallait... On était obligé d'avoir cette armure-là? Pour le niveau? Ok. Donc le Kelly c'est par là-bas. Ok. Ah, là on a une entrée. Tu as beau t'acharner, la porte du dragon refuse obstinément de s'ouvrir. N'utilise cette route secondaire qu'en dernier recours pour retourner sur la carte de Gallomère. D'accord, ok, donc ça c'est en gros la fin du niveau. Bon, si les gens ne nous attaquent pas... en argent. Ah, bah par contre, il doit y avoir un peu trop de... Ça, je sais pas ce que c'est. Là, il nous faut vers une étoile qu'on n'a pas. Ah. Voilà. Très bien. Le Kelly c'est là. Ok. Et il y a une potion de vie ici. Par contre, comment on est censé faire pour les avoir alors? Cette barrière magique a été érigée par les dragons de l'ancien temps. Seuls les aventuriers les plus vaillants, porteurs de l'armure du dragon, pourront franchir ce portail. Oui, donc... Ah, c'est ça.
Alors, je vois rien du tout, merci la caméra. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils sont miro les géants là. Ah d'accord, il faut faire ça. Ouais non mais... Non mais moi je veux bien... Eh ? Non mais d'accord, Par contre, faudrait qu'il me laisse tranquille le serpent là. Bon, de toute façon, j'ai rien à racheter. Ah, bah il est peut-être parti. Alors attendez. On va se refaire la santé. Ok. J'ai la rune étoile. Donc on est d'accord que là le serpent dragon là il est parti là. Par contre, le calice, je sais plus où est-ce qu'il est, le calice. Il est là, ok. Ah bah, il y a une fiole... Ok, on va la prendre. Bon, forcément, l'alcalis, je peux pas encore le prendre. On est à 90%, je crois, des ennemis. Hein. Ah bah, oui. Les ennemis sont là. Ok, bah c'était juste ça au final. Bah je pense que oui. Hein. Je pense que oui. De toute façon, on a rien oublié, je pense. Hein. On a récupéré tous les coffres. On a eu ça. Bah non, écoutez ma foi.
je pense qu'on peut partir. Et nous revoici. Dans le hall des héros. Faire des achats, non, il n'y en a pas besoin. Lui ne dit rien. On a 16 calices. Il doit y avoir quelqu'un qui a quelque chose à nous dire. Il y a le centaure. Mais il n'y a que le centaure, ok. Alors Daniel, j'ai peut-être quelque chose pour toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça te dit ? Oh, flacon de vie en plus ? Attends. 3, 6... Ouais, on en a 7 maintenant. Bah impeccable, et on a toute notre vie à fond. Bah impeccable. Impeccable. Très très bien. Bon. Oui, oui. Ah, merci. Très bien. Bon. Eh bien, allons voir le nom du prochain niveau. Et on va s'arrêter ici. Et le prochain niveau sera les ruines hantées avec un autre calice à avoir. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications pour être certain de ne pas louper les prochains lives, les prochaines vidéos. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur les let's play déjà présents sur la chaîne. Et d'autres let's play bien sûr arriveront. Dans la foulée. Allez, je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao ciao.